Qui a l'avantage, Gigio Fort à sa hauteur, Aisha Girl toujours au contact à la corde, Alma Damer également qui n'est pas loin, et sur une troisième ligne, Kimberly's Wish. Intersection des pistes avec Gigio Fort qui continue de mettre la pression sur Bangladesi qui a bien répondu à son intérieur. Attention à Alma Damer qui a eu la bonne course, qui semble avoir des ressources. Attention aussi à Aisha Girl hein, qui elle aussi a bien voyagé, qui semble-t-il des ressources, mais qui pour l'instant ne peut pas s'exprimer. Kimberly's Wish va encore très correctement, et puis Baltimore Alux également. Quant à la favorite, Elia Dugarabin, elle est toujours parmi les dernières. Ça va pas être facile de faire l'arrivée du quinté pour Elia Dugarabin, la dernière ligne droite avec Gigio Fort qui de plus en plus fort maintenant prend la mesure de Bangladesi. Elle prend l'avantage maintenant, Alma Damer qui tente de venir sprinter. Gigio Fort qui a toujours l'avantage, Bangladesi qui lâche rien en dedans avec Alma Damer, Kimberly's Wish et puis Raclion en dedans qui profite d'un boulevard avec également Alma Damer maintenant de plus en plus fort, et puis Yaya Star tout à l'extérieur. Yaya Star qui va s'imposer je crois face au numéro 4 Kimberly's Wish, c'est très pointu. Ensuite il y a Alma Damer, il y a également Raclion et Gigio Fort. Une arrivée incroyable dans ce quinté, une lutte terrible hein, jusqu'aux abords du poteau, une jument qui surgit. Je crois que Kimberly's Wish est peut-être venue faire la différence, Frédéric, dans les tout derniers mètres. On va revoir cela. Hein. Ça s'est joué en dehors pour finir avec deux juments qui ont surgi et puis également une autre à la corde. Regardons le passage du poteau. Et c'est le 4 hein, qui s'impose, Kimberly's Wish. Et pour la deuxième place, ce sera plus serré entre le 12 et le Raclion. Photo 12 et 14 hein, pour la deuxième et troisième place. La quatrième place pour le 9, Alma Damer, c'est ça. Et la cinquième pour le 3, Gigio Fort. Voilà pour l'arrivée provisoire du quintet. Le 4, photo 12 et 14. Quatrième, le 9. Cinquième, le 3. Eh bien, je m'étais bien trompé sur Kimberly's Wish qui a gagné. Il y a eu un bon parcours, il faut bien le dire également. Ouais, c'est sûr. Mais bon, on savait que ça allait jouer à ça aussi. Hein. Rien n'est fait. Elia Dugarabin n'est pas dans le quintet. Bangladesi non plus. Raclion, elle a profité d'un boulevard en dedans. Elle qui avait fait une faute en début de course, c'est la grosse note de la course. C'est joué dans un mouchoir de poche. Ah oui, une vraie arrivée de handicap. Elle court bien, il y a du Garabin, mais elle s'est retrouvée assez loin. Il y a une grosse bagarre en tête. Hein. Mm. Grosse bagarre, Bangladesi avait perdu un peu de terrain sur une faute en début de parcours, elle est revenue en tête. Mais Gigio Fort lui a fait mal quand même. C'est ça, Gigio Fort a mis une grosse pression en montant. Elles ont eu un passage pendant 200 ou 300 mètres sur le pied de 1-10. Hein. Ça allait vraiment très vite. Et pour finir, ce sont les attentistes hein, qui finalement se sont taillés la part du lion. Et la photographie est analysée. C'est le 12 Héraclion qui termine deuxième donc à l'arrivée de ce quintet. Le 4, le 12, le 14, le 9 et le 3. Regardez le document photographique. Ouais. Finalement, c'est assez net. Il y a du Garabin qui est donc sixième aux portes du quintet, Bangladesi septième. Voilà pour l'arrivée d'un quintet qui s'est donc avéré extrêmement disputé et à l'issue duquel Kimberly's Wish s'est imposé à tout à l'heure pour la dernière. Ce sera la huitième ici à Vincennes. Avoir des regrets Pierre Lévesque parce que sans cette petite hésitation, alors je sais pas si on peut revoir d'ailleurs le début de course, peut-être après l'interview de Franck Ouvry, mais Sébastien Crébas qui est l'entraîneur de cette jument, qui est un entraîneur qui évolue aux Pays-Bas, on le voit souvent à Volvega dans nos réunions diffusées sur notre antenne. Yves Dreux qui vient remettre le prix au gagnant pour honorer la mémoire de son père André Louis. Avant de parler de la dernière, Vincent, un petit retour sur le quintet. Revoyons ensemble la ligne droite. L'arrivée était extrêmement disputée. Vous avez vu que Kimberly's Wish était venue s'imposer à l'issue d'une brillante fin de course avec à son suivi Franck Ouvry, qui est vraiment en pleine forme à l'heure actuelle. Il a remporté un groupe 1 dimanche dernier avec Coco BFC. Il remporte le quintet du jour. Il a gagné aussi hier avec Celiaz. Nouvelle victoire donc en l'espace de quelques jours. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. Une vraie arrivée de handicap dans cette course. Et nous l'écoutons, il était tout à l'heure au micro de Guillaume. Vous étiez un peu inquiet dans le tournant final, vous étiez sur un troisième rideau côté corde. Oui, mais Gabi s'est décalé un peu pour faire go, donc ça m'a laissé une petite place et là ça m'a fait vraiment la course pour moi parce qu'après Gabi a mouli un petit peu donc j'ai pu sortir et j'ai eu un petit trou de souris, voilà, il fallait vraiment le bon parcours. Hein. C'est une jument qui progresse à chacune de ses sorties, après première fois grande piste 2008. Il y avait un doute ?
Non, c'est une jument qui a gagné ferré en gain et tout ça. Elle est capable d'aller devant, elle est encore meilleure devant, je pense, mais elle monte les échelons gentiment. Et déjà, la dernière course était très bonne. Vous sentez qu'elle est en amélioration, vous ? Bah ouais, puis elle est vraiment gentille, quoi. C'est sympa. La baraka pour vous en ce moment, hein ? Ouais, il faut en profiter. Il faut en profiter, donc c'est là, non, quand vous avez la chance d'avoir les bons chevaux et puis un peu la chance avec vous, ça s'ouvre au bon moment, c'est... Voilà. Ouais. C'est un truc irrationnel, mais il faut en profiter. On croit qu'on est bon, ouais. Merci Franck, bravo. Franck Ouvry qui s'est vu remettre un prix par Yves Dreux, car ce quintet honorait la mémoire d'André-Louis Dreux, le père d'Yves. Rapide en début de course en général. Allez, sous les ordres à gauche de l'écran, c'est numéro 10, Bangladesi. Par l'extérieur, Alexandre Amrivard. Ah, elle part sur une faute à Bangladesi qui est partie au galop. Elle a été remise. Elle a été remise par Alexandre Amrivard, Bangladesi. Elle a perdu du terrain, certes, mais elle n'est pas complètement hors course. Bon départ de Kimberly's Wish qui a pris un excellent départ avec une hésitation de Héraclion en début de course qui a fait un petit temps de galop et qui passe au dernier rang. Bon départ d'Aïcha Girl. Ligio Fort est pas mal parti, elle Madame Air également. Et en dedans, Yaya Star, le numéro 14 qui vient côté camp. Mais Bangladesi a retrouvé une bonne place plutôt à mi-peloton. On la voit ici, Kazakh Manche qui vient maintenant dans le sillage d'Ligio Fort. C'est jument qui aborde le premier tournant avec une accélération d'Aïcha Girl qui va tenter de venir prendre la tête, mais elle est un peu contrée par Kimberly's Wish. Et finalement, Eric Raffin va pouvoir prendre les commandes de la course pour négocier le premier tournant. Aïcha Girl, Kimberly's Wish et Yaya Star qui sont aux trois premières places. On se rapproche à l'extérieur avec Ligio Fort et qui ramène dans son sillage d'ailleurs l'une des favorites, le numéro 10 Bangladesi. Il y a également dans le groupe de tête le numéro 2 Beautiful Breed qui vient sur une quatrième ligne côté corde. Almadamer est à son extérieur. On a également un petit peu plus loin le numéro 1 Baltimore Alux, devant Isa Dumargas le numéro 13 et Lali de Monceau, Héraclion à l'arrière avec Excellente ou encore la favorite hein, qui trotte en avant-dernière position, il y a du Garabin. La descente en vue pour Aïcha Girl qui a l'avantage à l'extérieur, Bangladesi qui vient vite et qui va tenter de rejoindre les premières. Kimberly's Wish toujours au contact à la corde, Ligio Fort est à sa hauteur, Almadamer n'est pas loin, elle est sur une troisième ligne et vient quant à elle aux côtés de Yaya Start le numéro 14. Petite explication en tête de course, mais Alexandre Amrivard va néanmoins parvenir à prendre le commandement avec l'une des favorites, Bangladesi. Elle va venir relayer Aïcha Girl, la troisième place pour Ligio Fort. Devant, dedans, Kimberly's Wish. Oh, Isa Dumargas est au galop. On a perdu une jument en vue dans ce quintet. Elle vient de perdre toute chance. Almadamer et Yaya Star sont toujours bien positionnés, non loin du groupe de tête. On note toujours parmi les dernières la favorite, Elia du Garabin. Moins de 1500 mètres à couvrir, Bangladesi en tête, Aïcha Girl dans son sillage, Ligio Fort qui est au centre, pas très loin également. On retrouve en quatrième position Almadamer sur une troisième ligne, Kimberly's Wish, avec également Baltimore Moralux qui vient quant à elle 5 ou 6e et qui est suivi de près par Beautiful Breed le numéro 2. Des concurrentes qui sont maintenant dans la partie montante avec toujours Bangladesi, Ligio Fort aux deux premières places et d'ailleurs Ligio Fort qui met la pression à cet instant sur l'une des favorites Bangladesi qui répond néanmoins en dedans. Aïcha Girl a la bonne course calée côté corde accompagnée par Almadamer. On a également Kimberly's Wish ou encore sur une troisième ligne Baltimore Alux. Un peu plus loin Yaya Star ou encore Beautiful Breed décalé de la corde et Lélie de Monceau. Et puis toujours parmi les dernières, il y a du Garabin, la favorite qui trotte en avant-dernière position. Alors on allait assez vite hein, dans la première partie de la montée et les juments étaient sur le pied de 1-10. On va un tout petit peu moins vite pour aborder le tournant final avec toujours Bangladesi qui a l'avantage, Ligio Fort à sa hauteur, Aïcha Girl toujours au contact à la corde, Almadamer également qui n'est pas loin et sur une troisième ligne Kimberly's Wish. Intersection des pistes avec Ligio Fort qui continue de mettre la pression sur Bangladesi qui a bien répondu à son intérieur. Attention à Almadamer qui a eu la bonne course, qui semble avoir des ressources. Attention aussi à Aïcha Girl hein, qui elle aussi a bien voyagé, qui semble-t-il des ressources mais qui pour l'instant ne peut pas s'exprimer. Kimberly's Wish va encore très correctement et puis Baltimore Alux également.
Quant à la favorite, Elia Dugarabin, elle est toujours parmi les dernières. Ça va pas être facile de faire l'arrivée du quintet pour Elia Dugarabin, la dernière ligne droite, avec IGO Fort qui de plus en plus fort maintenant prend la mesure de Bangladesi. Elle prend l'avantage maintenant, Alma Damer, qui tente de venir sprinter. IGO Fort qui a toujours l'avantage, Bangladesi qui lâche rien dedans, avec Alma Damer, Kimberly Swish et puis Rack Lyon dedans, qui profite d'un boulevard, avec également Alma Damer maintenant de plus en plus fort. Et puis Yaya Star tout à l'extérieur, Yaya Star qui va s'imposer, je crois, face au numéro 4, Kimberly Swish. C'est très pointu ensuite. Il y a Alma Damer, il y a également Rack Lyon et IGO Fort. Une arrivée incroyable dans ce quintet, une lutte terrible hein, jusqu'aux abords du poteau et une jument qui surgit. Je crois que Kimberly Swish est peut-être venue faire la différence, Frédéric, dans les tout derniers mètres. On va revoir cela. Hein. Ça s'est joué en dehors pour finir avec deux juments qui ont surgi et puis également une autre à la corde. Regardons le passage du poteau. Et c'est le 4 hein, qui s'impose, Kimberly Swish. Et pour la deuxième place, ce sera plus serré entre le 12 et le photo 12 et 14 hein, pour la deuxième et troisième place. La quatrième place pour le 9, Alma Damer, c'est ça. Et la cinquième pour le 3, IGO Fort. Voilà pour l'arrivée provisoire du quintet. Le 4, photo 12 et 14. Quatrième, le 9. Cinquième, le 3. Eh bien, je m'étais bien trompé sur Kimberly Swish qui a gagné. Il y a eu un bon parcours, il faut bien le dire également. Ouais, c'est sûr. Mais bon, on savait que ça allait jouer à ça aussi. Hein. Rien n'est fait. Elia Dugarabin n'est pas dans le quintet. Bangladesi non plus. Rack Lyon, elle a profité d'un boulevard en dedans. Elle qui avait fait une faute en début de course, c'est la grosse note de la course. C'est joué dans un mouchoir de poche. Ah oui, une vraie arrivée de handicap. Elle court bien, il y a du garabin, mais elle s'est retrouvée assez loin. Il y avait une grosse bagarre en tête. Hein. Mm. Grosse bagarre, Bangladesi avait perdu un peu de terrain sur une faute en début de parcours, elle est revenue en tête. Mais IGO Fort lui a fait mal quand même. C'est ça, IGO Fort a mis une grosse pression en montant. Elles ont eu un passage pendant 200 ou 300 mètres sur le pied de 1-10. Hein. Ça allait vraiment très vite. Et pour finir, ce sont les attentistes hein, qui finalement se sont taillés la part du lion. La photographie est analysée. C'est...